que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul maman bébé, mais beaucoup plus bébé que maman. Il y a un truc pour maman, je sais pas vous, mais moi depuis que j'ai Clément, enfin depuis que je suis enceinte de Clément, j'ai eu énormément de mal à m'acheter des choses pour moi, hormis des vêtements de grossesse, bah parce que je rentrais plus dans mes vêtements, mais sinon j'ai eu énormément de mal. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je vais avancer ça, encore à l'heure d'aujourd'hui c'est lui d'abord et moi bien après, voilà. Donc du coup, je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà. Donc du coup, j'ai un peu anticipé, j'ai acheté du 9 mois. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent jamais de 9 mois à bébé, mais en fait le 12 mois est beaucoup trop grand du coup, et le 6 mois est trop petit, et maintenant j'ai la réponse. Hier on a eu la visite chez la pédiatre, avec les vaccins et tout, et ce petit bonhomme fait déjà 69 cm. Autant vous dire que depuis sa naissance, il a pris 18 cm, il pousse comme un champignon, il est plutôt grand. Et au niveau poids, ça va, il est à 8 kg, donc je trouve pas ça excessivement gros, entre guillemets. Alors du coup, voilà, j'ai rangé tous les 6 mois, même s'il y a des petits trucs qui lui allaient encore. J'ai tout rangé, moi, comme ça c'est fait, on passe à une autre taille. Donc là, j'ai sorti tout le 9 mois. Il y a du verbaudet, il y a du tape à l'œil, il y a du qui habille principalement, et peut-être du gémeaux, mais je suis pas sûre, je crois pas du gémeaux, le gémeaux en pyjama. Par contre, je vous ai pas sorti ni les pyjamas ni les bodys, ils sont déjà rangés, il y en a déjà quelques-uns qui ont été portés, qui sont sales ou à laver, ou bref. Donc du coup, j'ai pas été chercher les pyjamas, mais je vous ai pris les vêtements. Il y a juste un ensemble qu'il n'y aura pas, puisque bah, il l'a porté, et il faut que je plie le linge, et je ne l'ai pas fait. Voilà, là je profite qu'ils soient à la sieste, entre guillemets, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, on a un bébé très ronchon, en même temps il a eu ses vaccins hier. Il y a les dents qui sortent en même temps, il nous a sorti une dent, la deuxième à côté qui travaille beaucoup également, il a les gencives du bas très doublées, enfin voilà, très gonflées. Donc du coup il y a les dents qui travaillent aussi, donc voilà, il est un petit peu ronchon, donc je profite qu'il soit à la sieste pour vous faire cette vidéo. Donc c'est parti, sans plus tarder. Donc on a déjà eu, donc il y a des trucs, je ne pourrais pas vous dire le prix parce que c'est déjà sur cintre, et j'ai enlevé les étiquettes, mais si je retrouve j'essaierai de vous retrouver les liens pour mettre en barre d'infos. Ce petit t-shirt, ça, celui-ci, je crois que vous l'avez vu dans mon... comment ? Dans ma vidéo, les cadeaux de Noël, il me semble que ça venait de là. Ça, c'est mes parents qui m'ont pris un petit t-shirt en 9 mois de chez Verbaudet. Donc, vous voyez, lui, ils disent 9 mois, 71 cm. Donc, on s'en approche très, très vite. Hein. Le mois prochain, c'est bon, ce sera fait. Et encore, je vous dis, en un mois, il a pris 4 cm. Donc ça voilà, ensuite j'ai fait le plein de petits t-shirts chez Kiabi, j'en ai pris quelques-uns, des petits t-shirts pas très chers, vous savez, à 2 ou 4 euros. Donc il y a d'abord celui-ci du Roi Lion, que je trouve trop magnifique en rouge, enfin il est trop trop chou. Ensuite, mais ça me paraît juste immense, mais quand je regarde les tailles, c'est quand même 69-72 cm, donc bon, c'est un petit peu grand au niveau des manches. Mais après le reste, le corps, ça ne lui fait pas une jupe. Donc voilà, c'est pas... Ensuite, j'ai pris celui-ci un petit peu en vert d'eau. Voilà, avec une petite planète. Il est super chouette, je trouve. La planète est en relief. Hein. C'est pas du flocage, il est en relief. Et c'est plutôt sympathique. C'est une couleur que je ne mets pas énormément. Tout ce qui est couleur claire comme ça, du blanc, etc. Ça ne lui va pas trop au teint. Je trouve qu'après, il fait vite pâle. Alors du coup, bah, j'en prends quand même pour changer, mais le bleu lui va beaucoup mieux, le rouge lui va bien, le marine lui va bien, le noir, etc. Tout ça, ça lui va bien, mais les couleurs claires, voilà. Donc en bleu, j'ai pris celui-ci, un petit lion avec des lunettes de soleil. Il est trop marrant. Oui, c'est un lion. Bref, celui-ci, il devait être dans les 2 euros, les t-shirts comme ça. Donc ça va aller grave le coup. Ah non, ça c'est Verbaudet, pardon. Ça c'est pas... L'autre c'était Kiabi. Mais celui-là c'est Verbaudet. Donc ça c'est mes parents qui lui ont pris également. Voilà, ça c'est Verbaudet. Je crois que c'était Kiabi, mais non, c'est Verbaudet. Ensuite, ça que je vérifie, c'est bien Kiabi. Un petit jaune. Le jaune moutarde lui va très très bien. Avec un petit... petit loup qui fait du... Ou un petit renard qui fait du skate. Ça roule grave. Il est pas mal. Ensuite, je l'ai pris celui-là, ça c'est chez Kiabi, ça c'est sûr, c'est moi qui l'ai pris. Ça c'était obligé, voilà, un Harry Potter avec les 4 maisons de Poudlard, voilà. J'adore, il est trop trop chouette. Pareil, je lui ai pris un pyjama en 12 mois qui pourra mettre dans quelques temps parce que bah, il passe beaucoup plus vite au body
de la taille au-dessus que les vêtements. Là, vous voyez les body 9 mois. On y est passé il y a 15 jours à peu près. Voilà, donc j'ai pris un petit peu d'avance. Ensuite, toujours chez Kiabi, j'ai pris celui-ci avec des petites montagnes et des petits ours. Il y a des ours. Et je sais pas c'est quoi comme tête d'animal. Bref, celui-ci. Et en fait, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est... Bah, après, ils les ont pas tous. Non, ils les ont pas tous. Ah, il y a le vert qui l'a. Et je crois que le... Non, même pas le vert. C'est les boutons dans le dos comme ceci. Ça, il peut les mettre vachement plus longtemps parce que du coup, il n'y a pas à passer la tête. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai pris celui-ci. Je crois que j'avais pris le même en rouge en 6 mois. Si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, toujours chez... Ah non, ça, c'est chez Orchestra. Je devais dû le prendre pendant les soldes. Donc, je coupe le petit fil. Un pull comme ça marinière Mickey, il est trop beau celui-là, il est trop chouette, je l'aime beaucoup. Et c'est marqué Call me Mickey, donc appelle-moi Mickey. Et il est trop beau avec les petits boutons là, enfin il est trop chou. Bon, je vous avoue que ce style de bouton avec un bébé, c'est pas trop pratique, mais il est trop beau. Et voilà. Ensuite, ça c'est chez Verbaudet également, c'est chez mes parents qui m'ont pris un petit sweat avec marqué The Sunshine of the Family. Voilà, en bleu marine, écriture blanche, petit suite, parfait, il faut qu'il soit à l'aise. Ça, j'ai remarqué que les vêtements pour bébé, alors il y en a, ils sont très beaux, mais alors bébé n'est pas à l'aise du tout. Alors nous, on a pris chez Tape à l'œil cette petite veste. Je sais même pas s'il la mettra celle-là. Parce que je pensais qu'il mettrait du 9 mois un peu plus tard. Mais je sais pas comment j'ai calculé, j'aurais dû prendre une taille au-dessus. C'est une petite veste qui est très jolie, elle est un petit peu fourrée. Donc je me dis ça, avec le petit t-shirt, ça pourrait aller quoi. Voilà, ça lui fait un petit t-shirt, un petit... Voilà, donc une petite veste comme ceci. Ensuite, ça c'est un petit ensemble de chez Kiabi. Donc vous avez le petit sweat comme ça marinière. Et avec, vous avez le petit pantalon. Voilà, tout simple, jaune moutarde, blanc. Ça c'est pareil, j'ai plus les prix, mais si je les retrouve, je crois que je l'ai vu, il était en solde là il n'y a pas longtemps il me semble. Mais donc voilà, ce genre de petit ensemble c'est super chouette et il est super confortable dedans. Ensuite chez Tape à l'œil, ça on l'avait pris avant qu'il naisse, ce pull tricoté, bon qui est super chou, donc voilà, pourquoi pas pour rester à la maison mais quand on sort ou autre. Voilà un petit pull tricoté vert et blanc qui est super chouette. J'aime beaucoup. Il y a différentes sortes de mailles. Là, il est vraiment magnifique. Et Tape à l'œil, je vous avoue que c'est vraiment pas donné. Donc, s'il pouvait le mettre, on avait acheté un pull en 6 mois qu'il n'a jamais mis. Ensuite, ça vient de chez Leclerc. C'est la marque Terre de Marin. Ils font des super chouettes vêtements pour bébé de cette gamme-là. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est marinière, etc. Pour Clément, ça lui va super bien. Donc, du coup, j'ai pris ce petit ensemble. Donc, il y a le petit haut tout simple marinière, bleu marine. Et blanc, et il y a la salopette qui va avec, qui est trop mignonne, il est trop chou, donc voilà, il va être trop gros là dedans et ce genre de petit ensemble, voilà. Ensuite j'ai pris un autre ensemble, un body, alors là il y a le... c'est le body et la salopette comme ceci, super confortable, petit nounours, etc. Ça, il va être super bien dedans, et vous voyez, vu que c'est le body, je me dis, bah mettre la petite veste par-dessus, ou un petit gilet si on sort, ou voilà, et être tranquille à la maison, ça, c'est le genre de vêtement, il va être bien dedans. Par contre, vous voyez, celui-là, c'est marqué 74 cm, donc il y a des choses qui va mettre peut-être plus longtemps. Voilà, je comprends pas, moi, leur taille de vêtements. Un coup, c'est 69, un coup, c'est 73, un coup, c'est... Bref... Ensuite, ça vient de chez Gémeaux et vous allez sûrement la reconnaître puisqu'il l'avait en un mois et je l'ai retrouvée. Elle était en solde à 50%, donc je l'ai prise, cette petite combinaison. Voilà, panda grise, super génial. Ouais, ça me rappelle trop quand il était tout bébé. Je crois que c'est le premier vêtement qu'on lui a mis pour aller chez la pédiatre. Donc à ses 15 jours, il avait mis cette petite combinaison et il était trop mignon dedans. Ça rappelle des petits souvenirs. Et dernière petite chose qu'on a acheté, que j'ai déjà lavé, c'est cette petite salopette qui vient de chez Kiabi. Qui vient de chez Kiabi, donc pareil, je suis pas trop fan des jeans, j'en ai un je crois à vous montrer. Je suis pas trop fan des jeans, mais les salopettes je trouve que c'est quand même plus confortable, ça ne lui sert pas le bidon. Donc du coup j'ai pris celle-ci, voilà, elle est comme ceci, voilà, tout simplement, avec un petit, petite écriture là, une petite poche, enfin voilà, des petits détails.
mais une petite salopette, et ça c'est plutôt pratique, surtout qu'elle s'ouvre entre les jambes, donc pour changer les bébés, ça c'est plutôt cool. Ensuite, il y a trois petits pantalons, et après je passe à ce que j'ai acheté dernièrement. Donc il y a ce petit jean de chez Verbaudet en 9 mois également. Hop, taille élastique, mais vous voyez ça, au bout d'un moment, bah, ça le serre et il ne peut pas bouger comme il veut. Du coup, vous allez voir, j'ai acheté pas mal de petits bas. Pareil pour celui-ci, alors je ne sais pas pourquoi on a pris celui-ci. Ça vient de chez Tape à l'œil. Il y a les bretelles qui vont avec, mais il n'est pas taille élastique. Alors du coup, je sais même pas s'il va être à l'aise dedans en fait. Moi je veux qu'il soit à l'aise dedans, qu'il puisse bouger, il est en pleine exploration de sa motricité, etc. Je veux qu'il puisse bouger comme il veut, être libre de se retourner, de lever les jambes, etc. Et avec ce genre de pantalon, je ne suis pas sûre qu'il puisse le faire. Mais on essaiera, donc c'est un joli vert comme ceci. Et à la base j'avais pris le pull je crois pour aller avec, et il y a les petites bretelles qui vont avec, et ça c'est trop mignon. Et je crois que j'ai le même pantalon en 12 mois avec les bretelles aussi, mais en couleur bleu marine. Ça, on les avait pris à Tape à l'œil, c'était avant la naissance de bébé. Et dernière petite chose, celui-là je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il était en solde à moins 50%. C'est ce petit jogging. Voilà. Ça, ce genre de choses, c'est le truc qui... Enfin, il est trop bien dedans. Et il est fourré à l'intérieur. Donc ça, si on va se promener dehors, même s'il a sa combi pilote, mais si on va se promener dehors, ou aussi... s'il fait un petit peu frais ou quoi, ça c'est juste le top et il est confortable dedans. Et pour 2€, autant vous dire qu'on va pas s'en priver. Donc ça c'était ce que j'avais déjà lavé et ce que j'avais déjà depuis un petit moment. Là on va passer à ce que je lui ai pris dernièrement et aux choses pour moi. Enfin, à la pièce pour moi. Donc ça c'est sa bavette maintenant. Donc je pense que cet été il sera sur du 18 mois. 12, 10, 18, enfin je sais pas. Je sais pas, c'est dur à dire parce que c'est dur à dire. Ouais, parce que le 18 c'est 77 cm. Là actuellement ça ferait à peu près 10 cm de plus. On est au mois de février, mars, avril, mai, juin. Oui, voilà. Donc, je pense qu'on sera sur du 18 mois, voire même peut-être du 24 mois s'il nous remet une poussée comme il a fait là. Mais du 18 mois je pense. Donc du coup il a rien en vêtements 18 mois été, parce qu'on a acheté donc 3 lots du 12, du 18 et du 24. Mais il y avait été hiver, il n'y avait pas grand chose en 18 mois. Il y a beaucoup en 12, beaucoup en 24, mais pas en 18. Donc du coup, j'ai acheté quelques petites pièces en 18 mois au cas où. Donc j'ai d'abord pris ces petites barboteuses. C'est ce genre de petites choses que j'aime beaucoup, changement entre les jambes, voilà. Bébé est bien dedans, c'est pratique et c'est joli. Donc elle, je la trouve plutôt jolie. Elle est comme ceci, voilà, avec un petit peu d'orange, voilà, elle est mignonne. Donc celle-ci, elle était à 8€, faut que j'en ai les étiquettes. Ensuite, j'ai également pris cet ensemble, donc qui était lui à, bien sûr, il n'y a plus les prix parce que c'est une e-réservation. Je crois bien qu'il était à 10€ celui-ci. Donc il y a le petit t-shirt qui est comme ceci, blanc, avec les fausses bretelles. Et avec, il y a le petit short taille élastique. Et vous voyez trop bien le petit cul dedans. Avec les petits oiseaux et verts. Et ils font en barboteuse également celle-ci avec la capuche qui était très très jolie. Et deuxième ensemble que j'ai pris en 18 mois pour cet été, c'est celui-ci. Donc vous avez le petit t-shirt blanc et bleu marine. Voilà. Avec le petit shirt pareil élastique. Tout léger rouge, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est va être trop canon. Donc c'est tout ce que j'ai pris pour l'instant en 18 mois. On verra au moment voulu. Même si je vous avoue qu'en ce moment il y a plein de choses qui me bottent, mais je sais vraiment pas quelle taille prendre. Et ça m'embêterait qu'ils mettent pas le 12 mois en été, parce qu'il y a énormément de pièces qui sont super jolies. Donc si on a un super mois de juin, voire mois de mai, peut-être qu'il pourra les mettre. Mais s'il continue à grandir comme ça. Mon avis, on sera plus sur du 18 mois. Donc ensuite, on revient aux 9 mois. Je ne sais pas s'il y avait le prix sur celui-là. Si, l'ensemble-là était à 12€. Donc je pense que l'autre était pareil à 12€. Donc là, on revient aux 9 mois. Donc j'ai pris ce petit t-shirt qu'il avait déjà, je crois, en 6 mois. Et il était à 4€. Donc c'est celui-ci, petite marinière toute simple, petit bouton devant. Voilà, un petit truc passe-partout et qui va avec tout. Et je lui ai pris ce petit t-shirt... le premier fan de mon papa, voilà, je suis le premier fan de mon papa, en verre d'eau comme ceci. Voilà, j'ai trouvé sympa, il était à 2€, donc voilà. C'est bien les petits t-shirts comme ça, chez Kiabi, ils sont pas excessivement chers.
Ensuite, je lui ai repris une petite salopette en jean. Pareil, celle-là, je ne sais pas s'il va la mettre beaucoup. Elle était à 14 euros quand même. Petite salopette comme ceci, vous pouvez retrousser si jamais, voilà. Je crois que je lui en avais pris une dans le style là. Pour si en 3 mois, je crois, un peu dans le même genre. Voilà. Comme ceci, donc voilà. Ma foi, une petite salopette. Ça fait un petit peu habillé quand on sort. Et ensuite, j'ai fait le plein de pantalons, mais confortables, donc de jogging. Ils sont tous à 4 euros et je les ai pris en plusieurs couleurs. Donc j'ai pris en jaune. Donc vous voyez, ils sont élastiques, il est confortable dedans, ils sont pas trop chauds. J'en avais un peu dans ce style-là qui venait de chez Primark en 3-6 mois. Et il les a énormément mis ces derniers temps parce que il est super confortable dedans. Il bouge beaucoup plus quand il est habillé en jogging que quand il est habillé en jean. Et je le vois, il est plus à l'aise, ne serait-ce que quand il mange, etc. Il est moins boudiné. Donc du coup, je lui ai pris en jaune. Je lui ai pris en gris clair. Voilà. Je lui ai pris en bleu marine. Je lui ai pris en rouge. Et je lui ai pris en... Je vais mettre dessus. En gris foncé. Enfin, en gris. Voilà, gris clair. Je vous avoue que ça, c'est pas une couleur qui me va super bien. Mais en même temps, j'ai pris pour qu'il soit à l'aise. Et qu'il y ait de quoi le rechanger. Parce que, monsieur commence à manger. Et je peux vous dire que... Des fois, il y en a au large, donc il faut le changer. Qu'est-ce que je lui ai pris d'autre? Ça, c'est un mode que je vous montrerai après. Ma maman lui a pris un petit pyjama en 18 mois. En 18 mois velours. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il le mettra. Ça, c'est pareil. Bon, j'espère qu'il le mettra. Il est bleu. C'est marqué Waf Waf. Et celui-là, il vient de chez Gémeaux. Et vous pouvez encore le retrouver. Nous, on l'a vu là, il y a 15 jours, on l'a vu. Il y était encore. Donc, vous pouvez le retrouver. Et je lui ai pris cette petite cape de bain de la marque Petit Béguin. Ah bah tiens, c'est bien, ça, c'est un trombone, je l'ai enlevé. Hop. Voilà. Celui-là, il devait être dans les 13 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une petite cape de bain comme ceci, en éponge, avec un petit éléphant. Voilà, il y a des pressions pour fermer les bras. Petite capuche. Avec les petites oreilles, voilà, c'est ça, je l'ai pris pour quand on partira en week-end ou en vacances pour la piscine. Je l'ai pris en 18-24, je crois, c'est ça, ça doit être ça, 18-24. Il n'y a pas l'étiquette. Ah si, là. Tac. Oui, du 18-24, du 86-92 cm, donc ça, ce sera parfait, ça nous fera un petit moment. Et ce sera pour la piscine principalement, la structure de la piscine. Pour pas qu'il ait froid, dernière petite chose, mon maman lui a pris des chaussettes. Hop. Hop, on a des petites chaussettes. On n'en a jamais assez, des chaussettes pour bébé. Elle l'a pris en 19-22, donc ça devrait pas trop tarder non plus. Elles sont antidérapantes. Ouais, il y a une blanche toute simple, une bleu marine rayée, et des petites rayures et des grosses rayures. Donc, grosses rayures, petites rayures. Et blanche toute simple, voilà. Avec les petits tampons antidérapants. Voilà. Donc ça, c'est pour bébé. Et dernière chose pour moi, ce haut aura duré bien trop longtemps. En même temps, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Je me suis pris ce petit pull. Alors, je ne sais pas si vous verrez, il est blanc. Alors je ne sais pas si blanc c'est un bon point avec bébé. Avec Edwige. Et c'est un petit pull Harry Potter. Je l'ai pris en XXL et il était à 17 euros. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour ce haul. Je vais aller ranger tout ça, enlever les étiquettes, aller lancer la machine. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bisous.